Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, chantons la gloire de Dieu. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et répondit à ses amis. En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre une fois sur mille. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre et le soleil ne se lève pas. Et sur les étoiles, il appose un sceau. À lui seul, il déploie les cieux. Il marche sur la crête des vagues. Il fabrique la grande ours Orion, les Pléiades et les constellations du Sud. Il est l'auteur de grandes œuvres, insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander « Que fais-tu là ?» Et moi, je prétendais lui répliquer. Je chercherais des arguments contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge, même s'il répond quand je fais appel. Je ne suis pas sûre qu'il écoute ma voix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Des profondeurs.
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour, je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Le rombre se dresse-t-elle pour des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Profondeur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Moi, je crie vers toi, Seigneur, dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus : je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Je te suivrai partout où tu iras. Et peut-être, nous-mêmes qui suivons le Christ depuis bien longtemps, nous pouvons entendre le Seigneur nous dire « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Jésus souligne ainsi cette tentation de rechercher le nid, de rechercher le refuge, la tanière.
face à notre insécurité native et surtout face à tous les désordres du monde, nous pouvons être tentés de chercher des refuges, des nids affectifs, intellectuels, voire spirituels. J'entendais il y a quelques jours cette personne qui a quitté le domicile familial pour suivre et aller dans un refuge face à tous les événements catastrophiques qui vont se déployer, soi-disant, dans le monde. Un prêtre canadien serait à l'origine de ce mouvement. Jésus, lui, n'a pas où reposer la tête. Il n'y a pas de repos sur cette terre. Parce que l'unique repos du Christ, c'est le cœur de Dieu son Père. Alors, avec Jésus, nous sommes appelés à n'avoir nulle autre sécurité, nul autre nid, nulle autre demeure définitive que le cœur de Dieu le Père. Notre vie chrétienne n'est pas une chaise longue. J'ai quelquefois utilisé cette image parce qu'elle me parle beaucoup. Qui nous protège, mais une route, un envoi, une suite, en ce temps-là, en cours de route, je te suivrai. Il dit à un autre, suis-moi. Jésus répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière. » Non, nous sommes en mouvement, nous sommes en route, nous sommes en envoi. Et le cœur de cet envoi, le repère sur la route, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Notre GPS, guide pour survivre, notre GPS, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Pas seulement d'une manière, oui, je crois en Dieu, mais en cherchant tous les repères qui confirment ce que notre guide pour survivre nous annonce. Et donc, cela implique de mieux connaître ce chemin pour pouvoir comprendre comment le Seigneur nous guide. Comment il est présent sur notre route. Non, ce n'est pas le hasard qui règne. Ce n'est pas non plus le mal qui règne. Ce n'est pas l'astrologie, ni la fatalité,
c'est Dieu qui nous invite, qui nous appelle, qui nous envoie sur les routes du monde, sur les routes de nos villes et de nos villages, pour annoncer, pour annoncer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est la parole par qui tu as créé toutes choses. C'est celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. »
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres, souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi d'Olivier Lefebvre. Souviens-toi de Lucienne Langevin. Souviens-toi des défunts des familles Vernon et Vidal. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, mais spécialement sur Claire Lefebvre et ses enfants, sur Anne Nachteres, pour la conversion de sa famille, pour les familles Vernon et Vidal. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui repose dans le cœur de son Père. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Nous tournons vers la Sainte Famille de Nazareth. Nous la chantons. Sainte Famille de Nazareth, petite Trinité sur la terre, Jésus, Dieu sur la terre, Marie, épouse de l'Esprit, Joseph, ombre du Père, rendez Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous. À tous, bonne journée et à demain.